très touché justement par ce témoignage et puis aussi le fait que vous soyez là. Parlez aussi un peu des défis parce qu'il faut regarder, maintenant on a 25 ans et quid des 25 prochaines années, donc il y a des défis à relever. Il me semble que la démarche de Toulouse est bonne à la fois pour l'État et bonne pour les entreprises. Qu'il faut effectivement avoir cette exigence en matière de recherche et des engagements des partenaires et de l'IDEWI dans la durée. Cela a été aussi rendu compréhensible grâce aux travaux qui ont été faits ici avec vous. On est ce qu'on est aujourd'hui parce qu'on a eu l'IDEWI. Parce que pendant 25 ans, on a eu l'IDEWI, on a eu votre partenariat, on a eu des moyens financiers. Chapeau à vous tous de nous avoir soutenus en espérant que vous pourrez encore le faire dans les années à venir. Merci beaucoup. Je n'ai pas de doute que l'équipe toulousaine a la capacité de réussir remarquablement, comme elle l'a fait dans le passé, dans les 25 ans qui viennent. J'ai été très touché de voir des partenaires avec qui je travaillais depuis maintenant presque 25 ans, et puis d'autres plus récents, venir à Toulouse, venir rendre hommage à l'IDEWI, parce qu'ils ont beaucoup parlé de ce qu'on a fait à l'IDEWI et comme ça a été utile pour leur politique, leur stratégie au sein de l'entreprise, leurs relations, les règlements au niveau européen. Et ça a été assez émouvant, je trouve. Un certain nombre de mes travaux, aussi des travaux de mes collègues de l'IDEWI, en fait, ont été tirés de relations partenariales qu'on a eues. Et ça a été d'ailleurs noté par le comité Nobel. Certains travaux ont été cités par le comité Nobel. Et je crois que c'est important, ces partenaires, en fait, ont une petite partie de ce prix Nobel. Et je suis vraiment heureux qu'ils soient associés au prix.